Voilà, Karine, qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps pendant que tu faisais l'exercice de lâcher les mémoires avec ce lieu, avec l'amphithéâtre construit au 2e siècle et avec les personnes qui ont traversé ce lieu aussi? Ben, ça fait bizarre parce que ça fait de la place. En même temps, ça fait peur. Qu'est-ce qui t'a fait peur? Je pense que ça doit plus être le côté de pas savoir où tu vas après. Et maintenant, tu te sens comment? C'est un peu pas. Enfin, j'ai l'impression que ça se remet un peu en place. Mais c'est pas encore remis en place comme il faut. Tu retrouves un équilibre intérieur? Donc, tu n'as pas fait la vidéo 2, tu as fait que la vidéo 1. Maintenant, on va faire la vidéo 2 et on vous retrouve après la vidéo. Voilà, maintenant tu viens de regarder la vidéo Je me transforme, donc la deuxième vidéo qui se trouve dans la boîte à outils 1. Je largue les amarres, direction ma nouvelle terre. Comment tu te sens après avoir vécu la transformation intérieure en rapide, mais. Ça fait comme si la structure, elle se remet, elle est nouvelle, elle se remet en place, ou elle change. Est-ce que c'est agréable, désagréable? C'est bizarre. C'est bizarre, ça veut dire, ça c'est le mot favori de Karine. Quand elle ne sait pas quoi dire, elle dit c'est bizarre. Alors on va un Mais, petit peu creuser. c'est un peu un mélange des deux, c'est cool, mais en même temps, c'est un peu insécure. J'ai pas l'habitude. Le nouveau peut-être qui te fait peur? Ouais, du coup c'est bizarre. Donc c'est bizarre parce que ça, quand ça fait peur, c'est bizarre. Ça, c'est le côté pétillant de Karine quand elle est connectée à son galactique et puis qu'elle comprend pas ce qui se passe dans son tellurique, dans son corps. Ça fera toujours bizarre. Mais puisque tu découvres qu'il y a une peur de l'inconnu, une peur du nouveau, la peur de perdre l'ancien aussi, maintenant tu sais comment traiter ta peur, tu sais quoi faire. Oui, j'invite à retourner dans la lumière. Et voilà, donc tous les outils de la thérapie école. Et en quelques minutes, ça nous a pris quoi? 5 minutes, 6 minutes? Ouais, chose comme ça. Un soin d'auto-guérison qu'elle s'est fait à elle-même. C'était le premier parce que c'est la première fois qu'elle jouait avec les vidéos complètement, avec le processus. Et voilà, c'était juste un petit exemple de ce qu'on peut faire avec cette boîte à outils. Sur le point de partir là et j'ai une idée, enfin j'ai juste eu une impulsion pour recompléter ce qu'elle disait. On va préciser quand même, Karine, est-ce que tu es déjà venue ici? Non. C'était la première fois Dans cette vie, oui. dans cette vie ici que consciemment tu es jamais venue à l'amphithéâtre à Martigny. Et pourtant, ben, plein d'informations, plein de libérations, sans jamais y être venu. Comme je disais, ça peut être un de ses ancêtres. Non, mais c'est un de ses ancêtres, parce que je l'avais vu, qui a participé à la construction de cet Ah, c'était amphithéâtre. pas un simple exemple alors. Non, c'était pas un simple exemple. Et en fin de compte, elle avait l'information dans l'ADN. Après, il y a eu aussi des mémoires qui s'entrecroisent avec des personnes qui sont là, présentes, qui déposent leur charge mémorielle. On se les attribue et on croit que ça devient à nous et ainsi de suite. Donc, il y avait simplement un effet de résonance qui a permis de faire un auto-soin. Comment tu te sens maintenant? Ça fait toujours bizarre. Oui, D'accord. mais parce que je sens changer. Tu sens changer? Ouais. À l'intérieur de toi. Super, nous on va aller se boire un café. Oui, c'est une bonne Au idée. revoir!